Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là depuis Bombardopolis. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a pas vite suivre premier voyage matériel qui entre dans le pays pour capable aider combattre contre maladie dans toute vie nationale là. Et nous avons invité au suivre un extrait avec le président de la République là, Jovenel Moïse, qui parle bail information sur matériel ça qui fait entrer ici dans le pays d'Haïti. Mais avant de faire ça, l'équipe Bombard Media Now là voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media Now pour information pays. Et un gros merci avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombardopolis, équipe Bombard Media Now là, nous apprécier ça. Et si c'est premier fois visiter nous information nous partager intéressé, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre temps, n'a dérouler avec information yo. En oué. Jodi a nous parler vite au suivre premier voyage qui est entré dans le pays a dans le comment qui t'a coûté 18 669 000 dollars dans la Chine pour dépenser pour capable joindre matériel pour capable aider combattre coronavirus là ici en Haïti. C'est information ça nous côté pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier à Télévision nationale d'Haïti comme toujours li présent sous tamac aéroport tout ça l'ouverture là pour aider vivre et jodi mai 2020 ça qui j'en premier stock matériel qui était commandé dans le cadre de lutte qui mené contre COVID-19 là, comment ils arrivent dans le pays d'Haïti, ça sont, nous faut préciser que d'après communication qui arrivait joindre nous, c'est un premier lot dans la commande qui était placé là. Nous connaissons comment ça a été placé tout de suite après que le gouvernement l'était annoncé 19 mars qui se passé à que ont été deux premiers cas monde qui était infecté par virus ça le nouveau coronavirus maladie qui est le COVID-19 là et bien depuis lors l'état haïtien à travers les fonds du trésor public eux même ont été décaissé près de 18 millions de dollars question pour être capable de commander des matériels et équipements pour capable rentrer dans sa lutte contre COVID-19 ça et jodi à la c'est un premier lot dans la quantité matériel qui t'a dû arriver qui t'est commandé qui arrive dans le pays d'Haïti et je dis là c'est tout un appareillage de l'administration publique là qui est présent pour venir garder pour venir superviser arriver premier lot matériel ça dans le pays là. Et Télévision nationale d'Haïti, comme toujours, nous présents pour capables de voir matériel ça et comprendre qui gens ça peut passer. Il faut dire, là, chef de l'État lui-même lui présent, chef gouvernement lui-même lui présent, ministre Santé publique à la population présent. Il en est de même pour quelques membres dans la cellule scientifique multisectorielle là même tout qui présent pour superviser, venir garder ça quoi le faire, comment matériel lui arrive et qui qualité matériel lui tout. Du même coup et là faut signaler mon que tout de suite après et autorité a bien pour capable placer des mots pour peut-être porter des précisions par rapport à qui quantité matériel qui vient et comment matériel ça pour repartir à travers plusieurs centres dans le pays d'Haïti nous connaît qui habilité pour capable accueillir monde qui infecté par COVID-19 là et les connaît jodi à la pays d'Haïti déjà. Et contrairement à pile pays, mais pays d'Haïti lui-même jusqu'à présent, pour un pile monde, c'est un pays dans la région Caraïbes là, jusqu'à présent, qui a fait une gestion pour un pile monde qui était en gestion qui est assez bien de maladie ça, ça n'est le nouveau coronavirus, COVID-19 là, côté, et si on a préféré la dernière statistique, la dernière chiffre, que ministère santé publique à communication et santé publique à population publié et là nous avons parlé de mercredi 6 mai 2021 jodi à la nous capable dit que pays d'Haïti gagne 108 monde qui gagne virus là dans koyo qui gagne qui infecté par virus là dans 108 monde ça yo gagne 81 monde qui vivent toujours avec virus là dans sang yo il y a 15 monde qui mourit et il y a 12 monde qui guérit donc 81 monde a vivent toujours avec virus là dans corps yo 15 monde guérit et 15 monde mourit et 12 monde déjà guéri donc c'est en quelque sorte c'est ça qui bail statistique elle n'a parlé de 108 cas confirmés 108 cas c'est au total c'est 108 monde déjà après tout
et dépistage yo fait 28 monde, 81 cas actifs. Là on parle de cas qui actifs, c'est-à-dire c'est des monde qui vivent toujours avec virus à dans sang yo. Il y a 15 monde qui guérit et il y a 12 monde qui mourit, ça qui ba 108 monde. Et bien jodi à l'agent nous sort signaler là, c'est son gros activité, son gros départ dans cadre lutte qui mené contre Covid là. Jodi à la côté gouvernement, chef l'État lui-même, ensemble avec membres du gouvernement, tout, ils ont déplacé pour venir garder, pour venir superviser, arriver premier cargaison matériel que ils ont commandé dans le pays la Chine pour un total de 18 millions de dollars qui sont dans le trésor public. Question pour capable faire face à pandémie, ça, une pandémie, et j'en connais là, et son maladie qui depuis novembre 2019 commencé inquiéter le monde, et jodi à la en pile pays dans le monde il est beaucoup plus inquiet que jamais par rapport à façon maladie ça lui-même lié à prendre ampleur. Et même s'il y a un pile espoir que un pile la science bon côté parle lui-même l'a multiplié tentative, il a multiplié effort en question pour capable dans un premier temps joindre un médicament pour qui guérit totalement moun qui infecté yo, et dans un second temps joignons vaccin, question pour capable faire prévention, parce que vaccin lui-même c'est pour capable aider moun pas attraper maladie ça encore. Mais là jusqu'à présent je nous dis là la science a multiplié les tentatives, il a multiplié initiative, question pour capable river mettre main colter COVID-19 ça je connais là jodi à la qui tournait une pandémie, et c'est en tête chargée pour tout côté dans le monde. Et si nous regardons les statistiques yo, à travers le monde, jodi à la pour dernier 24 heures, si nous regardons pour région, si nous essayons de chiffres de façon globale, nous disons près de 3,588,773 cas de COVID-19 à travers le monde. Et il y a plus passé 247 000 monde qui mourit dans le monde partir avec maladie ça qui est le COVID-19 là. Et je viens de signaler là déjà, et en Amérique là, on total n'a parlé d'Amérique, et Amérique là, on parle d'Amérique, pour Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique centrale, de même que toutes îles dans Caraïbes là qui bat un total de 1,507,000 cas qui recensés dans la région Caraïbe avec Amérique là, d'après chiffre que monsieur Damnan OMS qui c'est Organisation Mondiale Santé yo publié par son chiffre ça, c'est des statistiques qui datent de 24 heures qui sont passées là, ça veut dire qui à partir de hier 6 mai 2021 jusqu'à présent, c'est quantité monde ça je nous dit là qui lui-même c'est chiffre ça qui valable par rapport à quantité monde qui infecté, quantité monde qui mourit, quantité monde qui guérit. Et si nous avons reprendre chiffre qui gain rapport avec pays d'Haïti, il y a 81 monde jusqu'à présent dans pays a qui a vivre avec maladie ça veut dire COVID-19 là, et il y a 15 monde qui guérit, il y a 12 monde qui est en perdit la vie. Donc je dis à la, je nous sou signaler là, nous capable commencer et ou même cap garder un sous écran et sous tamac aéroport Toussaint l'ouverture là, capable ouais présence chef l'État Jovenel Moïse, présence chef gouvernement Joseph Jout, ministre santé publique à population Marie Gretawa et plusieurs membres dans cellule scientifique multisectorielle là qui présent pour venir vivre comment il y a déchargé, comment il y a débarqué premier lot dans quantité matérielle que yo t'ai commandé dans pays la Chine dans cadre lutte qu'a mené contre le nouveau coronavirus, maladie qui porte nom COVID-19 là. Et bien je dis à la premier lot matériel ça arrive dans pays d'Haïti, des matériels qui t'ai commandé pour en valeur qui est estimée à près de 18 millions de dollars américains. Et bien matériel, premier lot matériel ça arrive dans pays d'Haïti
et c'est image ça aujourd'hui, télévision nationale d'Haïti offrir opportunité pour capable vivre en direct depuis Tamak aéroport tout Saint Louverture pour vivre image ça sous petit écran quel que soit côté où trouvé là pour capable voir ça qui a passé comme l'État, comme le gouvernement lui-même, lui a préparé, l'a géré, ça fait COVID-19 là, dans le pays d'Haïti. On a signalé, jeudi, c'est jeudi 7 2020, nous, sous piste aéroport, tout cette ouverture-là, avion qui portait premier lot matériel là, lui déjà sous piste là, chef l'État, Jovenel Moïse, lui présent, chef gouvernement, Joseph, lui présent, et tout ça, fait partie de l'état d'urgence sanitaire qui est lancé dans le pays d'Haïti depuis 19 mars 2021 et l'état d'urgence sanitaire qui a été renouvelé le 20 avril qui se passe là pour un deuxième mois donc là jusqu'à ce que l'état, jusqu'à ce que la science arrive maîtriser COVID-19 ça a jeune connaît là qui jusqu'à présent il était en tête chargée pour un pile pays dans le monde côté je nous dis là ou même qui soutient l'écran, ou capable de vivre comment ça, pour nous, voilà, c'est président de la République là, accompagné de Ressinon et l'autre membre de l'administration publique là, dans le gouvernement lui-même, qui a déplacé là pour capable de garder pour nous le matériel, il a descendu sous piste aéroport là. Je nous signale le pouvoir. Jeudi 7 mai, c'est opportunité de la télévision nationale d'Haïti pour capable vivre en direct premier lot matériel qui arrive dans le pays d'Haïti. Après tout le monde que vous avez suivi nous depuis piste aéroport tout seul ouverture, côté là, la PD vive. Et chaque moment, dans le jour 7 mai 2020, ça a côté tout appareillage d'État, les deux branches de l'exécutif sont présents pour capable venir garder. Arrivé premier lot matériel qui était commandé dans le cadre de 4 mètres contre COVID. Mais nous ne pouvons pas parler de COVID sans parler de tout, sans pas suspendre, rappeler Mounio. Tout ça, les gestes barrières, pas suspendre laver, mais nous, chaque fois, chaque moment, et chaque fois nous filmons un bagage que plusieurs autres nous demandent, c'est à laver, mais nous, pas jamais suspendre, utiliser, pas jamais suspendre, utiliser cache-nez. Et si ou pas gagnon pour faire dans la rue, pas j'aime suspendre rete la caillou pour capable éviter prendre COVID là pour pas bailler tout parce que COVID là son bail de solidarité c'est yon et de l'autre côté nous pas prend nous pas bail et geste barrière je toujours dit là c'est premièrement laver mais non ça fait bail à colade là ça camper depuis bien longtemps pas bail en main pas bail à colade grand pile geste Zamitay d'obligé camper sous yo, les on parle avec un monde sont obligé parler avec mon nan faut toujours bal 2 à 3 mètres distance pas jamais suspendre mettre cache-nez et pas jamais suspendre laver mais non et si pour une raison pour l'autre pas gagner on pour régler dans l'arrière ou capable rete la caillou de façon pour éviter ou prend COVID-19 là et de façon tout si ou gagne COVID là pour pas bailler l'autre monde lui donc Jean yo dit là nous pas bail nous pas prendre COVID là et je nous signale là jodi à là c'est un lot dans stock matériel qui était commandé dans cadre lutte qui a mené contre COVID là c'est premier stock là qui arrive jodi à là président de la république là li présent li vinn garder matériel ça qui fait arriver là première dame de la république là Martine Moïse li présent sous piste aéroport là il en est de même pour chef gouvernement Joseph Jout qui présente tout, ministre de Santé publique et population, Marie Greta Wali présent, qui a plusieurs membres dans la cellule scientifique là, et nous capables de signaler présence, par exemple, docteur Pape présent, docteur Laurie Adrien présent tout, dans le monde qui vient garder arriver, premier cargaison dans le matériel que l'État a commandé, toujours dans le cadre de lutte. Cap mené contre COVID-19 là, maladie ça nous connaît qui depuis novembre 2019 fait apparition dans le monde et jodi à la et pays d'Haïti depuis le 19 mars 2020 yo joine deux premiers cas deux premiers citoyens qui étaient déjà gen maladie ça en dedans pays d'Haïti et jodi à la si nan vi rappeler statistique yo si nan vi rappeler moun yo
chiffres, on état des lieux, ça n'est l'état des lieux, il faut dire que pays d'Haïti, le 19 mars jusqu'à jeudi 7 mai 2021, il y a 108 cas qui confirmés, c'est-à-dire 108 personnes qui jouent une trace virus dans le parmi 108 personnes, il y a 81 personnes qui jusqu'à présent ont une trace virus dans le et il y a 15 personnes qui guérissent dans 108 là, il y a 15 personnes qui guérissent et il y a 12 personnes qui mourent. Ça qui baille un total de 108 personnes jusqu'à présent, sorti 19 mars 2020 et arrivé 7 mai 2020. Donc, c'est quantité de monde qui a nous signalé là, d'après chiffres officiels qui fournit par le ministère Santé publique et population, c'est monde ça qui. C'est chiffre ça qui est officiel pour nous parler de COVID-19 dans le pays d'Haïti. Et je nous signale là, tous deux présidents de la commission multisectorielle là, eux-mêmes, sont présents, à savoir Dr. William Pape et Dr. Laurie Adrien, toujours dans le cadre arrivé, premier stock, premier lot matériel qui était commandé. Dans affaires libres contre COVID-19 et là ou même qui sous télévision nationale d'Haïti ont une opportunité à vivre les sous écran côté là et manœuvre à faire pour arriver décharger avion ça avion cargo ça qui arrive dans le pays d'Haïti jeudi 7 mai 2020 ça avec premier lot équipement avec matériel ça dans cadre du gouvernement mené contre COVID-19 là. Et consignes ont toujours été même barrières, ces consignes ont toujours été claires, et ça les gestes barrières, les gestes ont toujours été clairs, côté nous toujours disons, pas jamais suspendre, lavez maintenant de temps en temps, chaque fois où touchez, par accueil, l'autre monde demain, même si mon battement, il faut continuer à laver maintenant, de temps en temps, parce que c'est une façon virus à lui-même, lui propager. Et éviter baracolade, éviter et sortir dans la rue sans nous pas mettre masque pour protéger bouche nous avec nénou. Et si vous pas régler rien, vous pas besoin hésiter rester la caillou, c'est des gestes que cap sauver la vie et cap sauver la vie en pile l'autre monde, j'en ai dit là parce que maladie c'est pas les mêmes, c'est pas malade, c'est pas flané maladie à flané, c'est un monde qui prend qui baillon l'autre monde. Donc c'est une raison fait, yo parler de gestes barrières en nous éviter fonctionner dans pile avec paquet monde, c'est ça que j'ai demandé. Sinon dans un espace faut d'avoir 2 3 4 monde, éviter gain plus passer 5 6 monde dans un espace, toujours kembe distance 3 mètres là. Les n'a parlé dans espace public, yo toujours marcher avec et que ce soit alcool, que ce soit hand sanitizer, que ce soit l'eau Clorox, nous mettons dans l'eau tout, pas jamais hésiter désinfecter matériel n'a pas utilisé, pas jamais suspendre désinfecter chaque bagage nous moyen dans le cadre de lutte cap menen contre coronavirus ça maladie ça qui pote nom COVID-19. Nous, sous télévision nationale d'Haïti, depuis l'aéroport Toussaint Louverture, jeudi 7 mai, nous avons bonne possibilité pour vivre débarquement premier lot matériel SAO dans Port-au-Prince. Premier lot équipement qui sortit en Chine, équipement médical, équipement sanitaire, qui va servir l'État haïtien dans quatre batailles pour limiter la propagation du coronavirus. Là. Monsieur le Président, j'ai l'honneur pour me passer au micro pour capable d'introduire le ministre de la République. Là. Merci, secrétaire d'État. J'en toujours connu depuis le premier cas coronavirus. Je m'ai annoncé le jeudi 19 mars, premier deux cas que nous devons. Et ce n'est pas le ça que nous dérapé pour nous commencer le travail, pour nous préparer. Système sanitaire pays à ça qui va arriver. Parce que, grand monde a un proverbe qui dit, c'est pas le dominant yo pour ranger carbone. Il prend nous temps, c'est vrai. Mais j'aime te dire, nous, plutôt nous miser dans la route, mais nous pour de bonnes nouvelles.
Jodia, c'est 7 mai. Ça veut dire nous recevons le premier voyage. Mais son jeune de dit nous, entre le 1er et le 15, nous avons bien pour nous recevoir. Ça, nous te commandé, j'ai tout le monde de connaître, pour 18 669 000 dollars la Chine. Mais ce n'est pas ça seulement. Nous avons une commande oxygène qui fait, nous profiter de remercier et féliciter la commission multisectorielle là, qui lui-même après commande ça, te jugé bon, te demandé pour te gagner oxygène qui commande tout dans le pays. Nous commandons à travers la recommandation de la commission multisectorielle là, 2500 bouteilles d'oxygène et 9 générateurs d'oxygène. Ils ont même tout à bien pour entrer dans le pays. Pour nous faire qui ça? C'est pour nous sauver la vie de monde. Parce que nous toujours disons, peuple là, ça nous là pour nous faire nous-mêmes, nous là pour nous travailler pour lui. Coronavirus là, sont tueurs invisibles. Mais ça me dit tout le monde, je répète encore matin, ce n'est pas l'autre monde. Parce qu'on moun gen coronavirus que moun nan, son moun qui doit mourir pour ça. Non. Sous chaque 100 moun, sous la tête gen coronavirus, gen 80, c'est ça gros ça veut dire. Qui asymptomatique. Ça veut dire, ou pas même ouais, si moun nan, li gen maladie même. Ça veut dire, m'pa quoi ce moment pour le peuple là. Peuple haïtien pour nous en panique. Ce n'est pas un moment pour nous en angoisse, c'est un moment de solidarité. C'est un moment pour nous faire solidarité à l'autre pour nous faire face à la pandémie. Je connais une pile nouvelle, en pile projection qui fait sur qui quantité de cas, qui quantité de monde qui va mourir. Mais pour me dire aujourd'hui à peuple, ni quantité de cas, ni quantité de monde qui va mourir, yo dépend en pile de vous même, de comportement. Ça fait masse là, si nous songez, m'a pas qu'on vienne devant micro devant nous avec masse, m'a pas qu'on mette masse longtemps. Mais nous qu'on y a depuis hier, ça avec masse là m'vienne devant nous, m'vienne parler avec nous dans micro. L'État haïtien a fait en pile effort. M'en profite de remercier le premier ministre là, qui pas ménager et folie, non, faciliter le ministère de la Santé publique pour permettre les jeunes qui est la bonne façon pour permettre l'achat de masques fait. Pendant que je parle là, je connais un pile de masques qui est en stock dans le dépôt ministère. Mais je dis tout le monde, mettez masque là, il va sauver la vie. Il va sauver la vie de nous aimer. Les gars sauver la vie, amis, les gars sauver la vie, on l'autre compatriote. Les gars permettent que la maladie a pas propagé à vitesse que tout le monde attend, tout le monde comprend que le cas propagé. Parce que scientifique, ils ont parlé, ce n'est pas malheur que vous attirez sur le pays. Hein. Non. Scientifique, ils ont parlé, c'est des pronostics que vous faites. Ça qui arrive, que nous t'étions des gains. Combien de monde a mouru et pourtant, pas rien quantité ça. Ça dépend de comportement. Pas. C'est pour ça que je demande aujourd'hui. Et il faut que l'État haïtien a fait beaucoup de parler. Le ministre de la Santé a parlé là, il va dire nous qui quantité va arriver aujourd'hui. Et je dis dans toute transparence, chaque avion qui vient, le ministre là a toujours venu parler avec nous pour dire nous, mais ça qui vient dans l'avion, hein, et les journalistes. Nous-mêmes, nous sommes yeux. Avec oreilles population, nous sommes toujours là, je nous saute tout à l'heure, pour nous garder qui ça qui vient, pour nous connaître. Avant d'aller, je demande nous encore, suivre conseil autorité sanitaire, suivre conseil scientifique, suivre conseil commission multisectorielle, qui a aidé l'État goumé contre la pandémie COVID-19. La commission ça qui a une série de monde la donne, c'est bénévole que vous avez décidé de venir à la nation.
c'est pas président Jovenel qui vient servir. C'est pas premier ministre Jout qui vient servir. C'est pas ministre santé publique qui vient servir. Yo vient servir peuple haïtien. Ça veut dire yo vient servir où? C'est pour ça je dis à m'a demandé nous suivre consigne autorité ça. Même j'en moi-même m'a suivre toute consigne que vous bail. La première ministre m'a demandé à partir de lundi 11 faut tout le monde y en masse. Moi-même nous on dérape en vent. M'a donné 11 arrivé. Pour masse pam dans figure, masse pas première dame dans figure depuis nous en public parce que c'est ça qui recommandé, c'est pour ça nous-mêmes nous avons prendre décision. Moi m'a nous pour nous garder calme nous. Moi m'a nous compréhension nous parce que j'en ai toujours dit, le tremblement de terre t'est passé, nous t'es crié en pile. Choléra t'est passé, nous t'es crié en pile. Cyclone Mathieu est passé, nous t'es crié en pile. Mais nous t'es fait solidarité, yon a clot. C'est même solidarité, ça, c'est lui m'a demandé nous aujourd'hui. M'a demandé nous, nous yon, pour nous faire solidarité à clot, parce que coronavirus là, il va là pour tout le temps. Son grippe lié, ça veut dire son. Maladie bon grippe qui bon fièvre, il y a un temps la passé. Laisse ça, retrouve yo, il y a qu'à faire. Mais pour le moment, suivre consigne autorité sanitaire pour ne pas passer mauvais cap ça. Ministre de la République, pour Alvin dit nous, qui ça qui gagne dans le voyage ça exactement. Merci Yambi. Premier accouchement fait jeudi, hein? Nous sommes dans plusieurs conférences de presse que nous avons gagné. Président a annoncé que nous avons fait commande pour nous capables d'équiper site qui pourra recevoir malades qui atteint de coronavirus. Eh bien, premier vol arrivé, Jean-Président a dit c'est 463 tonnes de matériel qui vient pour arriver. Il n'y a pas jamais arrivé dans un seul vol. C'est 5 vols qui ont gagné pour le fait. Dans les peut-être une à deux semaines, nous recevons tous les 5 vols. Mais aujourd'hui, je dis nous exactement ce qui est arrivé dans l'avion, même si nous n'avons pas gagné tout. Nous recevons 500 lits complets. Nous, déjà, nous avons un modèle. Nous recevons 500 lits complets. Nous recevons 100 respirateurs artificiels avec tout accessoire. C'était ça nous t'ai commandé. Donc, dans la première commande, nous recevons tout 100 ventilateurs ou respirateurs artificiels avec tout accessoire. Nous recevons 250 000 visières, c'est pour protéger. Son bail plastique, nous pouvons mettre comme ça, c'est pour protéger les médecins qui prennent son malade là. Nous recevons 250 000. Nous recevons 200 000 masques chirurgicaux. Nous recevons 50 000 masques. N95, c'est masque qui spécialement pour personnel soignant. Nous recevons 137 760 lunettes de protection et nous recevons 100 chariots côté pour mettre respirateur pour capable leur besoin de déplacer, leur électrolyse. Nous recevons 100 chariots. Nous avons gagné, Jean-Président dit, pour nous continuer à recevoir carbone, nous avons recevoir moniteur. Nous avons recevoir équipement de protection individuelle. Ça veut dire salopette nous qu'on ouais sur monde non. Nous avons recevoir nous gagnons pour nous recevoir pour nous compléter équipement de protection individuelle et au fur et à mesure que nous avons recevoir Jean-Président dit m'a gagné pour m'annoncer la presse chaque fois qui ça nous recevoir dans chaque vol. M'a profiter pour remercier président de la République là, premier ministre là, ministre économie et finance là. Ma commission multisectorielle, première dame, tout l'autre ministre qui n'a jamais suspendu bon nous support au niveau du ministère de la Santé publique pour nous capables d'accomplir tout ça n'a pas accompli. Merci beaucoup, président, pour support. Merci, premier ministre, et merci à tout le monde. Merci, ministre. Dans l'équipement de protection individuelle, moi, je vois que le premier ministre là, te fait un pardon transfert qui 114 millions et quelques gouttes. Mais ça, c'est des équipements de protection individuelle qui achetaient en Haïti, c'est ça? Et entreprise ça qui vend équipements de protection individuelle, ça, pour clair que n'est pas fait profit sur nous. Il fait au coût.
nous avons 50 000 équipements de protection individuelle qui payaient déjà, qui a confectionné en Haïti. Ça veut dire qu'il faut comprendre, médecins, pas d'équipement de protection individuelle qui vient dans le voyage, ça, mais dans le commandement, il y a 250 000 qui commandent. Ça veut dire prochain voyage à bien, mais en Haïti, là, il y a fabriqué dans l'usine en Haïti 50 000 équipements de protection individuelle qui payaient déjà. Et puis, on va avoir une idée de qui est apparu. Et au fait de commander matériel là, dans une semaine encore, il a commencé à produire. Ça veut dire que matériel est commandé, dans une semaine encore, il a commencé à produire. Ça veut dire que l'équipement, ça veut même, il est capable de réutiliser, même avec masque, nous qui nous figurons là. Ça veut dire que c'est des équipements. Et je suis bien content que le docteur Pape, dans la commission, il a été baillé. Protocole là, comment vous le lavez. Ça veut dire que c'est des équipements que. Capable de réutiliser. Ce n'est pas l'heure finie ou jeter. Il y a 50 000 qui commandent pour 114 millions et quelques mille gouttes qui, après le fait, dans le pays. Merci en plus. Merci à toute la presse qui est présente. Merci à tous les journalistes. CCIPC a nous déplacé à l'aéroport pour être capable de recevoir le premier lot d'équipement équipement sanitaire qui pourra le servir. Dans quatre batailles contre le coronavirus là. Bien à vous et à bientôt. Premièrement, je remercie tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, tout haïtien, haïtienne, dans la diaspora, pour M.C.M. Rabdiv, dans presque 5 continents sur la terre, et je connais qui ça, le monde savait qui ça a fait comme travail. Et, mais en fait, nous-mêmes en Haïti, nous connaissons que jusqu'à présent, depuis le 19 mars, nous avons annoncé les premiers deux cas de coronavirus. Nous. Où il est aujourd'hui, hein, nous avons plus de centaines de cas, aujourd'hui 6 mai 2020. Hein. Ça veut dire que si nous faisons contrôle du 19 mars à aujourd'hui, hein, ça fait nous environ 50 jours. Depuis que nous avons annoncé deux cas, aujourd'hui, hein, nous avons plus de 11 décès. Ensuite, nous avons plus de 100 cas.
ça même là jodi on te besoin venir regarder avec Jim qui ça en fait en termes de préparatif qui fait parce que peuple haïtien connaît peuple haïtien connaît que l'état haïtien non en pile effort j'ai fort qui fait acheter équipement et matériel médical pour environ 20 millions de dollars parce que qu'on y a parlé de 18 600 000 faut nous dire que il y a d'autres matériels qui ont augmenté parce que moi je crois que recommandation commission multisectorielle là dans affaire oxygène fait que il y a 2500 bouteilles d'oxygène qui a acheté et il y a 9 usines d'oxygène qui a acheté tout. L'homme dit usines, ça veut dire des générateurs d'oxygène qui permettent au monde qui, par exemple, dans le Nord-Est, au monde qui est dans le Grand-Est, au monde qui est dans le Sud-Est, on n'a pas besoin de l'hôpital là en panne d'oxygène pour courir venir, c'est n'importe quoi, c'est parce que comme nous te connaissons, seul côté qui gagne usine qui produit oxygène dans le pays, c'est n'importe quoi. Mais avec 9 autres générateurs d'oxygène, n'a pas capable de mettre possibilité pour oxygène produit à travers l'autre département pays. Ça veut dire équipement ça que l'État haïtien prend décision acheter aujourd'hui hein, c'est des équipements non seulement après COVID-19 capable servir pour pandémie COVID-19 là mais on peut servir tout après par exemple cabane de l'hôpital moi connais que 1500 cabane de l'hôpital qui commandé cabane ça yo yo pas là seulement pour servir dans COVID-19 après COVID-19 là l'hôpital qui pas de cabane centre de santé qui pas de cabane cabane c'est pas là pour servir moi connais gap pile l'autre équipement qui commandé tout par exemple peu des ventilateurs c'est ça les respirateurs artificiels yo bon centaines de respirateurs artificiels qui commandé mais respirateurs artificiels yo information que gros ça vient dans affaire santé à moi-même bon moi yo pas là pour servir seulement dans COVID-19 là yo pas le servir tout après et c'est pour ça nous venir visiter aujourd'hui hein, pour nous regarder avec des genoux qui espace que Sonapi gain disponible pour recevoir équipement matériel c'est au cap arriver demain matin d'après dernière information que monsieur gain jusqu'au moment où m'a parlé là l'heure c'est 9h du matin parce qu'on gagne en retard parce qu'il tape 3h25 du matin mais on retard qui fait que l'heure c'est 9h du matin que premier avion a pris. Et j'aime te dire dans discours premier mai entre le 1er et le 15 mai nous te dit n'a recevoir 5 vols. Et faut bien clair pour peuple là pour comprendre entre que vol ça qu'a fait demain matin et le 13 a bien 5 avions rentrés équivalent 30 conteneurs de matériel et équipement médical qui a rentré dans le pays. Vous avez fait oxygène, commande ça a été faite après commande 18 660 et quelques dollars. Vous même, vous avez rentré entre fin mois mai et début juin. Ça veut dire oxygène et générateur d'oxygène qui te commandé après. Vous avez eu un avion. Nous croyons qu'il y a un parti tout, il y a une décision qui prend pour que le parti qui vienne dans le bateau. Parce que le problème, non, tellement il y a une congestion en Chine pour avion qui quitter distance pour avoir un avion. Pour le reste, l'équipement qui vient, le bateau a bien arrivé en Haïti. Haïti, c'est pour nous dire que dans le niveau de l'État, nous faisons pile en pile les efforts. Et nous profiter, saluer. Et féliciter le ministre. Je profite de remercier la commission multisectorielle qui fait un travail tête chargée. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui, dans le protocole avec le ministère, ils ont eu le temps de travailler sur les affaires commandes oxygène que nous faisons. Parce que, en fait, dans la première commande qui était faite là, il n'y a pas de commande oxygène non, là-dedans. C'est pour nous dire que c'est ça, le tout haïtien décidé. Mettez tête ensemble, mais qui résultat que ça va. Résultat aujourd'hui, on est clair. Que nous avons préparé, nous connaissons que maladie, j'aime dire là, sont tueurs silencieux. Mais nous-mêmes, dans le niveau par nous, nous travaillons
pour nous capables faciliter le travail commission, hein, pour nous capables faciliter le travail ministère de santé publique. Parce que rôle nous, comme garant bonne marche institution, c'est ça. C'est permettre que l'institution soit toujours au service du peuple. Et ça qui est important, c'est pour ça que je vous dis, nous là, et nous croyons que Sonapi a fait tout effort pour que tout matériel et équipement soit bien sécurisé pour le servir le peuple haïtien. Alors, on parle d'oxygène, c'est qui quantité d'oxygène que nous fait commande pendant la journée d'aujourd'hui? Je crois que dans le commandement, il y a 2500 bouteilles d'oxygène et il y a 9 générateurs d'oxygène. Pour nous préciser, pour nous comprendre ça, le générateur d'oxygène, non? Il y a une capacité pour le générer oxygène, ça veut dire pour le produire oxygène. Ça veut dire c'est pour ça. Jodi à son seul côté que production d'oxygène fait dans tout le pays, c'est Port-au-Prince. Mais avec 9 générateurs d'oxygène, ça, nous ne pouvons pas produire oxygène en province. Et c'est pour ça. Et puis, il faut me dire tout, il y a environ 2500 régulateurs. Tout. Parce que l'oxygène, d'après ça, encore. Et, gros ça, avec une commission, c'est eux-mêmes qui te recommandé comment l'oxygène. Bouteille d'oxygène, et l'eau fin plein, il y a besoin de régulateurs pour être capable pour le monde qui s'en va avec. Ça veut dire, il y a commande 2500 régulateurs, 2500 bonbonnes, bouteilles d'oxygène et 9 générateurs d'oxygène. Alors, tu as une promesse, excusez-moi, tu as une promesse qui fait pour ouvrier, tu as 50%, et maintenant, nous devons apprendre que c'est 25% qui est bas, il vient de parler en pile, si ça ou même, le président de la République capable de porter comme lumière sur question ça. Bon, moi, je connais que FAES, et FOM dit ça dans le tableau que le ministère des Finances était présenté, il m'a demandé tout. Faut ça fait chaque mois, je dis en nous 5 mai, maintenant, pour finance présenter le tableau ça, qui va permettre pour nous connaître des dépenses qui fait, parce que nous connaissons 202 millions de gouttes qui étaient décaissés. Pour faire paiement 50% ou rien. Maintenant, Mabdili, si mon problème, je dis, je ne suis pas capable de répondre sur ça qui est comme problème. Je ne suis pas répondre pour me dire, quand je connais débloqué, c'est 202 millions de gouttes, et je connais gagné environ 60 000 ouvriers qui bénéficient de quoi ça. Président, nous connaissons l'incident qui est passé dans le tribunal de paix à Delma, qui a arrêté la famille, entré sur le terrain, famille Benoît, qui a arrêté le tribunal de paix et Delma. Alors, en tant que président, qui m'a parlé à travers l'incident qui est passé depuis Michel? Premièrement, comme chef d'État, je déplore et je profite du moment ça pour vous sympathie à la famille et je souhaite un prompt rétablissement tout à M. Patrick Benoît, parce que moi-même, j'ai avec un pile citoyen, l'un de la vidéo, ça m'a dit quoi, c'est vous. Je suis obligé, même moment, de le directeur de deux cabinets, pour me demander, ça m'a ça sa vise. Et là, ça a été fait, je connais le président, c'est bon montage, c'est même terrain, ça, depuis le où monter président, où tu es toujours. A demandé pour que la lumière fasse sous base, pour que le silence dans les affaires, exécution, jugement par défaut. Ça. Maintenant, ça qui arrive hier là, je pense que l'incident est plus grave. C'est le dernier coup de l'eau qui renverse le bazar. C'est pour ça, je n'ai pas là avec le Premier ministre là, et je lui dis que je vais réagir à travers mon truc qu'il a fait, mais je me dis tout. Quelle décision qui te prend? Les parler, les dire qu'il y a une décision qui prend à travers le ministère de justice. Personnellement, moi, je suis le ministre de justice, là, comme on connaît. Et moi, instruis pour que rapidement, il entre en contact avec le président CSPJ. Hein, pour que non seulement lumière fasse ce qui s'est passé, mais pour gagner sanction qui prend. Parce que le clair, lors des sons où vient faire un décapissement, ou bien on vient exécuter un jugement, la loi pas bon droit. Pour ni blesser moun, pour ni casser pour être moun, pour ni battre moun. Ça veut dire ça, moi je dis le clair, nous allons accepter. Et c'est pour ça parfois, dans pile fois, moi-même comme président, il y a des fois je parle sur des décisions de justice, et ça qu'on ne pas fait pile moun blesse. Mais je dis, moi je dis, après 3 ans, 3 mois, à faire problème terre dans le pays, fort problème ça, les résoudre. Pour le résoudre, les simples, les pas compliqués.
faut que les gens qui dans la justice aient des propositions parce que c'est pour le clair dans les yeux, dans les oreilles du peuple. La justice, son pouvoir lié, même le pouvoir judiciaire, son pouvoir lié même Jacques pouvoir exécutif là, même Jacques pouvoir législatif là. C'est la constitution qui bat le droit ça. Je dis, la justice là pour servir. Ça veut dire, là, au cas qu'on s'arrive, c'est pas la justice, en fait, qui allait, qui dit, c'est pas président pour cassation, c'est pas président CSPJ. Mais le bon membre dans la justice qui fait ça, il faut qu'il y ait des sanctions qui vont. Des sanctions pour le public, pour tout le monde qu'on est, pour que ça va, je me répète encore, et encore, je me dis, je déplore, et je connais que, au niveau du ministère de la justice, le ministre de la justice et le président du CSPJ, qui a gardé, qui a tendu là, il y a des dispositions qui prennent pressé, pour que justice les joigne. Ce n'est pas dans la fête seulement. Justice joigne pour citoyens, ça. Que moi, je ligoté de bras derrière. Parce que qui blesse, qui baigne ensemble, il faut que justice joigne pour lui. Ça a l'air clair. Et je pense que le ministre de la justice, là, le président CSPJ, il prend le travail pressé, pour que citoyen, ça, M. Patrick Benoît, il joigne justice. Parce que juste Jean, il dit la justice, c'est un bagage qui est important dans le développement en démocratie. Merci. Merci, monsieur. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.